Bassam Nahr. Mr. Bennett Character is requested to proceed to the information counter. Mr. Bennett. Ja, ich möchte Ihnen zuerst unseren Fahrer vorstellen. Er heißt Gisney. Gisney? Ja, 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 das ist ein Schilder. Ja, wenn man so große Wolken hat, dann den Krug. Deshalb waren wir auch ganz im Nord. Doch, weil hier im Süden sind keine Krug. War die ganze Straße mit solchen schönen Villen bedeckt, das war reine Wohngegend. Und zwar haben wir 1911 und wir also mal so richtig die englische Atmosphäre dort ungefähr 2000 Großindustriellen befand. Ja, auch Boutiquen. Das sind Konsulate und aber jede ist von einem anderen Architekten gemacht worden, jede ist also völlig anders gestaltet. Sie haben auch hier... Hier in der Mitte 30 Meter mit Strahlen, 40 Meter hoch.
Da drin, das kostet je nachdem wie groß die Wohnungen sind, zwischen 400 und 900 Dollar. Das ist erschwinglich. Bitte können Sie dann also ein bisschen die USA sehen. Ja. Es gibt kein Restaurant, da oben ist eine Aussichtsplattform. Und darunter sind... The arboretum is constantly changing from one season to the next. Successive blossoms to the left, the birch maple forest. Further beyond, the beech maple forest, combining a collection of sugar maples and beeches. Finally, plants native to the province of Quebec, while others are more exotic species. They include spectacular lotus. In behind the rose.
Okay, dann gehen wir durch, dann gehen wir durch. Kommen Sie bitte! Namen Jörg. 40 Meter hoch.
und ein Restaurant ein bisschen weiter unten, 350 Meter höher. Und Ecken, also neben dem Stadthaus, wo wir jetzt ankommen, das ist am
gauche des chutes de la cheval, on trouve 41 points. Ils traversent la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessus, l'élévation d'une profondeur de 55 mètres de 180 pieds. Aussi, on peut regarder les enfants éloignés de passage. Peut-être un mec en déjà d'avoir un scope ici, c'est sa vie hier. On a un scoop pour deux, pour tout. Aber 1916 ist fast alles abgebrannt, außer der Bibliothek. Das ist der einzige Teil, der noch originell ist. Es wurde aber 1920 wieder aufgebaut, genau wie es vorher war. Und er hat 53 Glocken drin. Is that special or big river? Is that good? Oh, that's nice. Is that the potato?
So, da muss ich mal mich an den Luft fragen. Ja, ich bin auch schon. Ja, ich bin auch schon. Viel geschehen. Sur des nappes d'eau souterraines en faisant ces cuves-là. Donc, la cuve va se remplir automatiquement. On va passer le minéraire dans des tamis. On va le dégager de la terre et de la vase et du sable. Ici, on utilise... Sauf que l'architecture très, très moderne qu'on a vue à l'extérieur, on la retrouve aussi à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire que cette architecture-là, qu'on appelle de la... Vous allez prendre lui? Vous avez beaucoup de fer. Vous avez beaucoup, beaucoup de fer. Monsieur, vous allez faire preuve d'imagination un petit peu. Bon, voilà. Voilà votre pelle. Pas de problème. Et là, je vais vous présenter mes ouvriers. Vous, vous les connaissez, mais moi, je ne les connais pas. Je vais vous présenter, monsieur, ici, votre prénom. Gérard. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il en reste encore? Non. Oh. C'est moi le patron. Moi, j'en vois encore en haut à gauche. Encore en haut à gauche. OK. Oui, c'est qu'il y a plusieurs qui les font ici. Attention. Boum! Oups, ça l'a fait, hein? Est-ce qu'il y a encore des sceptiques maintenant? Attention au derrière! Oh, c'est pas la première fois qu'il se brûle derrière! Une centaine d'années. Voyons. Puis c'est une des sources de... Oh boy! Une des sources de la sortie du métal. C'est comme ça qu'on exécute. Barbara, viel exakt. Na, ihr braucht ja morgen früh keinen Koffer zu.
Quel bon job. Ah, il est star with them. Hier, c'est Pauline en avant. Ja. Et ça est hier. Ah là. Et ce soir, vous êtes invités avec deux autres groupes qui sont arrivés avant vous, une petite soirée québécoise qu'on a préparée pour vous. Non, c'est ce soir. Parce qu'il y en arrive. Ah, mais c'est ce soir, contrairement à ce soir. Monsieur Madame Kouchiga. Bonjour, madame. Bonjour. Par la planche, un chef. Aïe. Monsieur Papa. Elle sort trop, hein? L'ordel. Tu vois une lâche. L'ordel. Tu vois une lâche. Si, fais-la. Tu vois une lâche. Oh, moi, là. Tu vois une lâche. T'as cru mon life, là, regarde. Dis bonjour et au micro. L'ordel. Il faut faire attention quand j'ouvre la porte en bas. Ouais, ça va décoller. Mais c'est des premières neiges, les filles. Après, tes premières neiges sont tombées, pas de problème. Oui, après, c'est ça, oui, oui. C'est tout ça. Das ist modern, das ist modern.
Je vais demander si je peux m'accueillir un petit camp. De chaque côté de la balade, vous pourrez revoir plusieurs serres de Virginie. Le chevreuil est très répandu dans le sud du Québec. Il possède des voix. On appelle ça panache. Ce panache tombe à chaque année. Il repartit. Pour couper leur pointe de leur la ferme du Colon, véritable petit monument historique, hiverne dans la région. Ces changements se caractérisent par le remplacement de riches écosystèmes forestiers par des écosystèmes agricoles productifs. Si vous regardez bien à l'avant de la balade, à la vente de balade, vous pouvez observer un mouflon de dalle. Les mouflons de dalle et les chèvres de montagne sont d'excellents grimpeurs. Ce qui veut dire que seul le mâle et la femelle dominante peuvent se reproduire. Mais cependant, c'est toute la meute au complet qui doit subvenir aux besoins des petits et veiller à leur éducation. Généralement, pour reconnaître le mâle et la femelle dominante dans une meute de loups, ce sont les deux loups qui ont la queue vers le haut. Les loups, ce sont aussi des animaux nocturnes. Le papa ours noir va souvent essayer de se débarrasser de ses propres petits. Il va même essayer de les tuer, puisque la femelle ours noir ne se coupe qu'à tous les deux ans. Si le mâle réussit à se débarrasser des petits, il pourra donc, quand la mère ours voit arriver de trop près d'elle un mâle, elle donne un signal d'alarme à ses petits. Et les petits grimpent aussitôt dans les arbres. Et la mère est plus loin. Le colon, chargé de gérer le poste, doit se contenter d'installations très rudimentaires. La maison et le magasin sont construits de pieux dressés et les toits recouverts d'écorce. Les joints des pieux sont calfeutrés avec de la mousse. La maison possède une cheminée de 3 mètres de hauteur, maçonnée de terre argileuse. À l'extrémité du site, nous retrouvons la poudrière, où l'on remise la poudre et les fusils. Les plans qui ont servi à réaliser cette reconstitution proviennent du journal de l'explorateur J.L. Normandin. L'arrivée de l'homme blanc influencera radicalement leur mode de vie. Ainsi, ils découvrent l'usage de la toile. Celle-ci remplace très rapidement l'écorce et les branchages dans la construction des tentes et des huttes. On évalue qu'avant 1534, la population autochtone de la région comptait entre 1500 et 3000. Nous entrons ici dans le biome représentant la taïga. La taïga est constituée généralement de conifères très peu développés et très... Et à gauche, vous pourrez observer la structure du grand tracteur. C'est sur ce viaduc que nous aurons l'occasion de circuler. Les populations amérindiennes qui y vivaient chassaient le bison dont ils faisaient leur principale nourriture. La chasse sportive et commerciale, l'utilisation des eaux bison comme engrais et les loups armés furent les causes de la disparition presque totale de cette espèce, mis d'en protéger quelques spécimens avec lesquels on a pu reconstituer un troupeau.
La prairie abrite aussi plusieurs espèces de rongeurs en ferment pour la production de céréales. Disons une nourriture fournie par l'homme, bien adaptée à chaque espèce. Ici le Robert, c'est un moulin qui faisait de la pâte à papier mécanique. On va... Le groupe de Nicole, vous descendez.
terrible. Gebaut, weil die Schiffe. Wegen den Schiffen? Die Brücke müsste zu hoch sein. Alors, ça, tu es un bon échappé. Dans le monde, oui. Da war er böse natürlich, ne? Er hat gesagt, das ist einfach ein Ball-Ding. Sie ist aber das ist die Schule. Ja. Das wäre nicht mal wieder. Kilometer lang, 8 Kilometer breit. Sie wird kleinste, nicht ganz 500. Und dann geben wir auch Karawanen.
caravane. Non, pas en ville, en ville. De neige, bien entendu, on les utilisait pour pouvoir se déplacer sur la neige et ne pas s'enfoncer dans celle-ci. Les matériaux qui sont utilisés, le bois, c'est du frêne, l'intérieur, c'est de la babine. Look at this. Hey,
Thank you.
La sécurité, vous devez engager les deux extrémités l'une dans l'autre. Assurez-vous que la ceinture est bien ajustée autour de vous.